Et bonjour, bienvenue dans cet épisode 10 de notre Let's Play sur l'ère du fléau, sur Hyrule Warriors. Alors, de deux choses l'une, déjà j'ai oublié de vous montrer les tenues des prodiges. Hein. C'est pas faute de l'avoir dit 4 fois dans la vidéo précédente, mais j'ai quand même réussi à l'oublier. Et ensuite, j'ai débloqué, du coup j'ai fait les quêtes des 3 grandes fées. Bon, il me reste toujours des quêtes, hein. Il me reste toujours des combats. Hein. J'ai ce combat qui a pop, je crois que j'ai ce combat qui a pop, parce que j'ai fait des trucs, celui-là aussi, enfin... Voilà. Voilà, reste des combats, hein. C'est pas fini, mais bon. Je voulais voir ça. Parce que là, du coup, c'est le 4e combat contre les fées. Donc, je sais pas si... Je sais pas. Je sais pas s'il y a un truc spécial à la fin de ce combat. Donc, oui. Voilà. Voilà. Donc là, par exemple, Mipha, on voit, voilà, là-haut. Elle a un truc avec un éléphant dessus. On sait plus si l'image, finalement, de sa créature divine, pour le coup. Que spécialement les auras. Parce que... Voilà. Darouk, c'est pareil. Darouk, il a sa créature divine. Et en vrai, Revali... Revali, il a sa créature... Voilà. Il a l'écharpe. Et... Non. Il est arrivé. Urbosa. Qui a sa créature divine. Alors que Link... Allez, j'y vais. Non, Link quand il a une tenue. Link, non, c'est pas une moto, hein, c'est sa créature divine, c'est la Master Sword, hein. Bon, bref, voilà. Donc, déjà on va enlever ça. Et on va jouer avec pas Link. Mais potentiellement Zelda. Je ferai tout mon possible. Parce que voilà, Zelda elle a aussi une nouvelle tenue. Mais je peux pas changer de tenue. Alors est-ce que je pourrais changer de tenue plus tard? Je pourrais voilà, me customiser la tenue. Je ne sais pas. Mais let's go. Let's go pour faire ce combat. Oui, non, si, on avait fait la première quête des grandes fées. Donc vous avez vu comment ça se passait. Généralement, c'est un peu toujours le même principe. C'est tu vas à un endroit à un autre. Enfin, tu collectes... Il y en a une où c'était... Surtout, tu collectes des rubis, tu lui donnes, ensuite tu la... Enfin, in fine, tu tabasses la fée. Et voilà. Et sachant que, je sais pas si... C'était le cas aussi pour quand je l'avais fait en vidéo, parce que j'avais dit « Ah, c'est pratique pour farmer des rubis. » Mais tu lui donnes des rubis, en fait, à la fée. Tu lui donnes une partie des rubis, du coup, voilà. Alors que le fond vert... Attendez, mais c'est... Pourquoi c'est là, là, là? Là? Qu'est-ce qu'il y a là de différent par rapport à là? Je comprends pas. Juste que je suis pas devant? Non, bah non, même pas. Bon. Oui. Parce que en vrai, je sais plus si vous aviez vu ce combo là avec Zelda. Comme ça aussi d'ailleurs. Non mais, s'il te plaît. Merci. Aïe. Voilà, bon après, hein, voilà, c'était les combos de Zelda, hein, pour l'instant. Parce qu'on peut en débloquer encore, mais pas les compos. Aïe. Le seul problème de l'attaque dans le wagon, c'est que c'est difficilement cancellable. Dans un coffre. Est-ce que j'ai trouvé un coffre, moi? Ah oui, d'accord. J'avais pas vu le temps. Faudrait que je fasse gaffe un peu au temps, des fois, moi. Il me faut des rubis. Hop. Ah oui, non, mais non. Non, merci. Et là, normalement, il devrait être mort. Et du coup, je retrouve un autre coffre. Paf. Et voilà. J'ai mes rubis.
Ah bah. Salut. Ah mais ça, attendez. Coucou toi. Premier que je vois. Hein. Premier mob mini noir que je vois. Enfin, premier mob, mob noir que je vois d'ailleurs. Ils sont du coup des mobs d'un niveau supérieur au niveau bleu. Non, c'est ça. Oui, non, mais rapproche-toi, il fait ça. Ah oui, j'ai toujours pas vu le temps. Hein. Toujours que je fasse gaffe au temps. Hein. Non, mais c'est la fête au mob noir, là. Non, mais oh. Ça y est, ils ont level up. Où le coffre? Vite. Attends. Non, c'est là-bas. Sale bait. Toi en vrai. Hein, voilà. Hein. Je veux dire, bon, pas s'embêter. Hein. Surtout qu'il me reste plus beaucoup de temps, effectivement. On va quand même pas fake cette mission. Ce serait con. Ouais. En fait, j'hésite à faire mon A. Je sors de là. Voilà. Combien? Combien? Ouais bah attends, fais ça. Fais ça pour faire des dégâts là. C'est pas impossible que je récupère mon hâte après. Le lock. Oh, le lock c'est comme l'esquive. Hein. C'est une fois sur deux. À peu près. Et on est à Kala d'ailleurs. Je vous ai remarqué. Enfin, hein. Pas loin de la forteresse là. Plutôt là, ouais, là c'est les gorges de la naine. Ils sont proches, je pense. Ah c'est bon, j'ai découvert les coffres. Non mais les coffres. Les coffres. Ouais, 3 coffres. Du coup 900 rubis. Ce qui mène le total à 2100. Nickel. Ahara. Arara. Ouais ouais, bon bah on va donner les rubis. J'ai pas de limite de temps, donc c'est bon. Je peux m'amuser avec les mobs là. Et salut. Voilà, là j'ai donné mes rubis. Je crois, il me semble. Hein. Il me semble avoir récupéré ça. En tout cas Zelda elle cadre aussi bien sur ses photos que moi, ça me fait plaisir. Je me sens un peu moins seul. Allez. Vous allez vous envoler. Alors par contre voilà hein, le problème des... Le problème des fées. Pourquoi j'ai pas fait la tablette? Le problème des fées c'est que c'est compliqué à esquiver je trouve. J'ai encore du mal à lire le pattern des attaques. Bah ouais. Heureusement que j'ai pas de limite de temps. Non mais. J'ai pas trop l'attaque la plus optimisée pour lui faire des dégâts. Sur son. Sa barre de points faibles. Bon, à part ça, hein. Ça c'est très efficace. Mais non! Écoutez, visiblement avec Zelda, j'arrive à esquiver les grandes fées. Donc tant mieux. Mais je suis pas sûr d'avoir calé une seule esquive avant. Contre les autres grandes fées.
Ok. Bon, du coup, on est bon. Du loot. Du loot. Est-ce que ça débloque quelque chose? Est-ce que la grande fée est un personnage jouable? Moi, c'est ça la question, en fait. En vrai, la vraie question, c'est ça. Les grandes fées sont quatre sœurs qui vivent dans les fontaines dispersées à travers Hyrule. Afin de venir en aide à Link et ses compagnons, elles se sont rassemblées dans une seule fleur. De l'aînée à la plus jeune, elles ont pour nom Terra, Kaeza, Midja et Kotura. D'accord. Donc au moins, voilà, vous pouvez savoir un peu aussi... Ben pas l'âge, mais... l'aînée de la cadette. Voilà. Hein. Du coup, c'est Kotura la plus jeune. C'était bien dans ce ordre-là. Ok, hein. Ah ouais. Non mais complet hein. C'est complètement un personnage. Ouais, non mais ouais, du coup voilà. Hein. Hey, on va jouer les différentes grandes fées. Non mais j'ai envie de tester hein. J'ai envie de tester. C'est terrible. Ah, on est plus potes avec les Gerudo. Nice. Je sais pas vu ce que j'ai amélioré mais. Je suis moi aussi impressionnant. Ah, niveau 35! Oh ouais! Oh ouais! C'est pas mal! Ah, mais du coup, les grandes fées là, on fait comment? Mais au secours! Non, attendez, j'ai pas des combos pour les grandes fées! Ça, j'ai pas. Ça, j'ai pas non plus. Ça, j'aimerais bien avoir, hein, mais. Nouveau combo, j'ai pas. Bon, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ouais. Nouveau combo. Bah, vas-y, hein. Allez, mais ouais, mes opales, mes diamants, mes rubis. Ouais. Atta. Ouais, les combos, hein. On a dit les combos. Ah, oh, c'est fait. Aïe. Oh, voilà, au moins vous pouvez être sûr, vous pouvez être rassuré, elles n'ont pas changé en 30 ans. Finalement, c'était les mêmes avant, déjà. Le fléau n'a eu aucune répercussion. Non mais, faut arrêter, hein. Au secours. Qu'est-ce que c'est? Encore un combo. Ah ouais, 7 diamants. Ah ouais. Et entraînement des grandes fées. Ah bon, à la limite, on peut faire ça. Comme ça, on peut tester les grandes fées. Non, mais niveau 23. Sous de ma gueule, le jeu, non? Il est sérieux, le jeu? L'entraînement des fées, niveau 23. Alors qu'on les débloque niveau 35. Ou alors, ça dépend de quand est-ce que tu les débloques. Mais ça veut dire que je pouvais les débloquer avant. Bon. Oui, sûrement, en fait, en vrai. Je pouvais déjà les débloquer avant l'épisode d'avant, je pense. Bon, on fait ça, ensuite on fait le scénario. Hein, donc les grandes fées attaquent l'une après les autres, ok. Vous appuyez sur ZR, chacune exécute son attaque de prédilection. Donc ça veut dire que ça dépend de la grande fée que j'ai? Ou pas? Du coup on voit effectivement la grande fée qui a rejoint le roster de perso. Mais du coup Prua et Pharas, en fait, sont pas jouables. C'était pas sûr en vrai, hein, mais... C'est vrai que ça m'aurait pas surpris en fait. En réalité, ça m'aurait pas surpris. Moins que la grande fée, quelque part. Alors, elle, c'est bouclier. Ouais, certaines attaques dépendent de la grande fée que vous contrôlez. Oui, non mais. Donc là, j'ai changé les grandes fées. Là, c'est les ronces. J'essaie de comprendre.
Mais comment je switch de fée? Ah voilà, juste au cours des attaques. Alors le coup point faible. C'est parti. Ah par contre ouais, la taille de la grande fée par rapport au... Ah c'est... Oui non mais, je veux voir les attaques de toutes. En vrai je crois que ouais, non, ça dépend de la... Ah mais non, parce que là j'ai pas switch. Je comprends pas. Ah, ah ça on connaît ça. Ça c'est ce qu'elle fait à Link quand elle change de tenue. Mais peut-être moins douloureux, j'espère. Ah oui, son A. Son A c'est quoi? Je vais vous donner une petite correction. Putain. Quel enfer. Non mais... En vrai... En vrai, en fait, voilà. Le secret, c'est que les grandes fées, elles peuvent se déplacer dans leurs fleurs. Elles font genre, elles sont prisonnières, mais... C'est juste que c'est des feignantes, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais Noya. Salut Noya, mais... ouais. Ouais, salut Noya. Hein. Ah, même toi, tu parais petit, hein. Même Daru qui va paraître petit, hein. Ah, mais ouais, c'est... Oui. Attendez, je pouvais planer. Attendez, est-ce que j'ai bien vu? Ça va être un peu froid. Ouais. C'est pas clair pour les attaques aériennes. Hein. Non mais, prends pas la... Bon. Petit bisou pour Noya. Aïe. Là je vais rechanger de fée. D'accord, en fait il y en a une c'est la Protec, les autres c'est des ronces ou des fleurs en gros, qui les invoque. Mais globalement c'est que des, c'est des AOE leur attaque spéciale j'ai l'impression. Mais au secours! Vous avez vu. C'est compliqué. Bracelet étincelant. Ah c'est pour les... Oui c'est pour les fées j'imagine. Snifouille ouais. Ouais snifouille ouais. Ok. Bon c'est... Il faut que je m'y fasse, en vrai il faut que je m'y fasse. Ça a l'air d'être un gameplay à part. Mais il faut juste que je comprenne comment on fait pour switcher, de fait. Parce que j'ai l'impression que ça se fait un peu automatiquement. Ouais j'allais dire, les bracelets étincelants c'est mieux non? Visiblement. Ok. Ok ok. Très bien. Mais bon, voilà, on aura testé la fée. Vous avez vu à quoi ressemble la fée. Alors je m'entraîne avec la fée. Mais la fée est niveau 35. Enfin, la fée, je dis la fée, c'est les grandes fées. Là, en l'occurrence, bon... En l'occurrence, il n'y en a pas qu'une. Elle n'est pas seule. Bon, on avait dit le château d'Hyrule. Alors oui, non, pas la fée. J'avoue que l'idée pourrait être marrante... Mais d'ailleurs, je peux pas changer de fée de départ non plus. Je sais pas comment c'est en quoi, par rapport à quoi c'est fixé. Voilà, on va prendre Link. On va pas prendre la hallebarde par contre. On va peut-être prendre la Master Sword. Allez, hein. un petit Link Master Sword. Est-ce qu'on lui met une tenue? Alors en vrai, quitte à faire ça, au mieux vaut que je lui mette rien quoi. C'est juste pour lui mettre ça. Non, un jour peut-être qu'on y mettra détenu. Peut-être pour la fin du jeu. L'application peut-être. Des mesures pour contrer le fléau se déroulait sans encombre. Mais Zelda ne décelait toujours aucun signe de l'éveil du pouvoir du sceau. Misant tout sur ce maigre espoir, elle décida d'aller méditer à la source de la sagesse. Seuls les plus de 17 ans sont autorisés à accéder à la montagne de l'Anel, berceau de la source de la sagesse. Car il dispose de la maturité nécessaire. Zelda résolut donc de s'y rendre le jour même de son anniversaire. Ah!
Mais c'est pas le jour où... Hélas, ouais. Le fléau devait renaître le jour même de l'anniversaire de Zelda. Le roi d'Hyrule ordonna donc l'évacuation de son peuple et déploya les quatre créatures divines afin de limiter les dégâts causés par le fléau jusqu'au retour de Zelda. Mais... ça va partir en couille. Ça y est. L'analyse des dernières données est enfin terminée. Défais-toi ! On a compris. Arrête un peu de fanfaronner et montre-moi donc ça. Un geste. J'ai vraiment manqué de vigilance, désolé. Il a une mini bouche. Non mais alors par contre, hein? Parce que ça du coup... Bon, on en parle après. Nombreux sont ceux qui ont placé en moi tous leurs espoirs. Je ne peux pas les décevoir. C'est ma dernière chance. Ne vous en faites pas, Votre Altesse. Une fois à la source de la sagesse, vous verrez, je suis sûre que tout se passera bien. Alors j'y vais. Père. Oh. Tout va bien? Oh. La tablette Sheikah. Pourquoi aurait-elle des ennuis? C'est impossible. Alors, maintenant faut rejoindre Roudania. Que... Le fléau Ganon est déjà là. Visiblement, l'ennemi a décidé de prendre les devants. Alors là, on est dans un beau pétrin. Si le château d'Hyrule est tombé aux mains du fléau... Alors là, il y a des trucs qui sont en train de faire tilt dans ma tête. Bon, par contre, la partie proie, en fait, j'allais dire, ouais, non, mais ça pas, elle a pas pu le donner au gardien puisqu'il était pas là. Mais en fait, ils auraient jamais eu de données analysées. Donc, bon. Ils auraient peut-être pas été mis dans cette affaire-là. Par contre, un truc qu'on a appris dans ce jeu, c'est que c'est relié à le contrôle des tours Sheikah et tout machin. C'est relié à. D'accord. Alors, je viens de voir l'objectif. Mais évidemment, j'ai personne. Mais du coup, il s'est lié à un dispositif. Oh mon dieu. Qui est dans le château d'Hyrule. Donc, forcément, si Ganon prend possession, on va dire, du château, effectivement, il peut prendre possession des gardiens. C'est peut-être pour ça, en fait, qu'il a pris possession des gardiens. Parce que ça, c'est en détail, on sait pas comment finalement il a pris possession des gardiens, Ganon. Donc, voilà. Alors, après, par contre, bon. Bon, voilà, au niveau des cinématiques qu'on a dans Breath of the Wild, là ça colle pas, mais on va dire que. J'imagine que ça c'est dû au futur alternatif causé par le mini gardien, quoi. Après, est-ce que ça va changer? Enfin, qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va vraiment tout changer? Ou est-ce que je vais souffrir pour les prodiges? Parce que moi c'est ça aussi la question, c'est est-ce qu'on va vivre la mort de Mipha?
D'un côté j'ai pas envie, d'un côté j'ai envie. C'est très conflictuel quoi. Mon côté sadique veut. Mon côté émotionnel ne veut pas. Bon, par contre normalement je suis censé me dépêcher pour aller sauver le roi. Hein. Mais bon. Faut aussi sauver Zelda. Toi tu meurs. Tu meurs on a dit. Mais combien de mobs? Ah ouais, attendez, attendez là on me le donne. Là c'est doté hein. Au moment. Bam. Non mais Link. Non mais Link. Link il est vénère. Oh, par contre les mobs aussi. Les mobs normalement là. Là je vous avoue que je m'amuserais pas hein, si j'étais dans Breath of the Wild contre les mobs. Avec ses avec leur 120 PV là. Couché toi hein. Toi couché hein. Pas bouger hein. Partir en couille. Mais ça y est, là on arrive dans le moment de l'histoire qui m'intéressait le plus. Donc je vous avoue que je suis encore plus hypé là. Sale bête. Et c'était évidemment ça allait arriver. Bah ouais. Non mais ça bon, ça voilà, c'est pas une surprise. Mais c'est pas grave, je veux dire, au début du jeu, je me le suis farci à la main. C'est pas maintenant que ça va poser problème. T'as compris? Coucher. Ouais ouais, bon coucher, ouais ouais par contre ouais. Voilà, coucher. Aïe aïe aïe. Bah par contre l'OST hein. Ah c'est pas ce gardien là qui s'est levé. Ah super, ah super. Mais on va se calmer là les mobs. Ouais salut hein. Non mais faut attaquer les mobs hein. Salut. Oh là là. Oh ces combos. Tu m'envoies du rêve Link. Tu me fais rêver. Bah ça par contre ça fait moins rêver. Ça me fera toujours moins rêver. Même si dans ce jeu c'est quand même moins menaçant. Alors pour l'instant pour counter ça, j'ai la parade et j'ai ça. Mais ça c'est efficace. Ça marche bien. Hein. Bam. Pas bouger hein. Ah. Ah ouais. Ouais mais ouais les gardiens hein. C'est vraiment des salvates hein. C'est vrai qu'ils m'ont pas si mal que ça mais... Oh, casse les papates. Casse les patounes. Et tue-le. Ah, l'animation du plaisir là. Ouais, là je suis en mode fanboy. Ouais, ouais. Toujours plus. Ça, par contre, ça on fait la gueule quand ça nous arrive. Hein. Pareil, hein. Ça on n'est pas content normalement. Hein. Ouais, quand tu vis ça dans Breath of the Wild, t'es en mode bon, bah courir. Je cours, je me raccroche à la vie. Et je me cache. Ou alors je bourrine comme un porc si je peux. Si j'ai les impôts. Ah, ça l'a pas tué. Boum. Sale bait. Bon, ça c'est ski facilement, ouais. J'ai un peu peur, mais...
On essaye un truc? Non, pas le bon bouton. Les bons combos, hein. Les bons petits combos. Hein. Ouais, il est où le roi? Le passage secret. Ici. Allez. Où ça? Oh là là. Ah bah ouais, là. Ok. Ah non, d'accord. Mmh. Ah bah. Ouais, là on est dans les souterrains. Aïe aïe aïe. Oui. Ah, ce château. Le château d'Hyrule, c'est quelque chose dans Breath of the Wild en vrai. Hein. Oh, la bibliothèque. Ah, ça y est. Hein. Là et là, on va passer par tous les endroits. Tous les endroits cultes. Écoutez, moi je tape. Hein. Je tape, je trouve des Korogu. Je continue de taper. Hein. On n'avait pas trouvé un seul Korogon, donc bon, tant mieux. Hop. Salbait. Des salbait qui vont se réveiller. Bon, quoique, je sais pas s'ils se réveillent ou s'ils pop en fait, mais. mais dans le doute, je me méfie. Après, on s'en fout d'ici. Ceci dit. Ok, la bibliothèque. Non. Ouais. Ouais. C'est quand même assez efficace, hein. Aïe aïe aïe. Ouais, c'est encore. C'est quand même. Non, ça commence à être détruit, mais. Ah, mon bouclier a tanké? Qu'est-ce qui se passe? Ah, ouais, d'accord. Non. J'ai pas le droit aux baguettes? Ah, si. Sale bait, sale bait, sale bait. Ah, j'ai du mal à les faire dans Breath of the Wild. Il y avait peu de chances que ça passe là. Hein. Mais bon. Non. Je réagis trop tard. Je vais y arriver. Hein. Je vais m'entraîner, je vais y arriver. Hein. Non, non. Non. En vrai, j'avoue que si j'avais su à l'avance que c'était vraiment la bataille d'Hyrule, j'aurais peut-être mis une tenue. Trop tard. Trop tard désormais. On peut plus faire marche arrière. Ouais, non mais c'est pas là qu'il faut que j'aille, au secours. Hein? Un passage secret, là? Oh merde, zoom. Faut que je monte. Ouais. Et là, c'est, Oh, il se fait pas mal. Je suis déception. Non mais, tu veux monter les escaliers, s'il te plaît, Link? Ah ouais. Ouais, c'est pas loin de l'état dans lequel ça va être dans Breath of the Wild, là, déjà. Hein. Pour le coup. Ouais. Peut-être un peu plus cassé, quand même. Mais, pas tant que ça, hein. Pas tant que ça.
fait quelque chose de revenir ici. Hein. en vrai, ça fait quelque chose. Ça fait longtemps que je suis pas allé dans Breath of the Wild. Et. Aïe aïe aïe. Comment ça? Ouais, mais j'ai toujours qu'un perso, moi. Parce que s'occuper de deux fronts en même temps, c'est bien quand t'as deux persos. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, salut. Non. Bon. Non mais... Non. Voilà. Ah, raté. Bah. Ok. Non mais les robots, ils ont... Les gardiens n'ont pas l'air trop avancés, hein, en vrai. Ah, surcadenceur antique, ça doit être... fort. Non. Pendant qu'il fonce contre un mur. Vous me dites hein, si je vous gêne. Hein? Oh non! Qu'est-ce que ça fait là, ça? Pourquoi je sens que ça va être encore plus vénère que les gardiens? Bon, le 1.0, normalement, non, mais... Bam! Au secours. C'est pas du tout l'apocalypse. Par contre, les loots des gardiens. Ton plaisir. Non. Mettre la map en pire. Sort de mieux voir où on va. Est-ce que vous pensez qu'il y a un Kurogu qui peut se cacher dans les tonneaux? Ouais, salut chauve-souris. Ah, là c'est... Là c'est là où il y a l'épée royale. Si je dis pas de bêtises. Ah, on a ouvert ça aussi. Mais attends, du coup normalement là ça va être la cuisine. Qu'est-ce qu'ils font là eux? Mais ouais, c'est les cuisines. Ok. Hop. Non, en vrai, ce château, il est quand même marquant, je trouve. Genre, quand tu vas dedans dans Breath of the Wild... Bon, j'y vois rien, mais sinon c'est les bombes. Voilà. Couché. Là, il y a quoi? Il y a un Kurogu. Ouais, prends le Kurogu. Kurogu, Ruby. Ok. Oh, des petits trucs sympas. Non, mais vous là, vous. Vous, non. Vous, pas maintenant. Hein. Beaucoup trop tôt. Hein. C'est vrai qu'ils sont beaucoup moins tanky que. Ce qu'il devrait l'être, on va dire. Parce que vraiment, normalement, c'est des sacs à PV. Hein. Genre, les noirs, les versions noires, c'est compliqué. Alors, les versions argent. Il me semble que c'est dans les 1000 PV. Hein. Peut-être des bêtises, mais. Genre, c'est. Ça tank bien.
Et là, ça tanque moins. Ok. Par contre, ouais, c'est par là. D'accord. Non. De la merde. J'avais foiré ma première esquive, mais il m'a pas touché. C'est pas grave. Ah, y a pas de bug. Y a pas de bug contre les murs. Au secours. Non mais au secours. Après, c'est pas parce que je comprends mur qu'il faut pas que j'esquive, hein, mais. Ouais. Super. Salut. Hein. Salut vous. Non mais. Ah, y a du monde là. Y a du monde là-bas. Mais là, j'aimerais bien prendre juste ce fort pour l'instant. Ok. Bon, j'attends toujours le gros mob. Hein. Ah, ça y est. Bam. Éradiquer. Alors. Pardon. Oh ouais, non mais d'accord. Donc j'ai juste vu un linel bleu et on passe direct au blanc. Ouais, super. C'est considéré blanc ou toujours dit argent? On continue à dire argent. Sale bait. Sale bait. Le nombre de PV. Ah, c'est bien l'inel blanc. Hein. Ah, par contre, pour le coup. Ouais. Ouais, ça tangue bien, ouais. Non. J'ai quand même pris la foudre. Ah, est-ce que j'ai pris la foudre parce que j'ai une arme en métal? Genre, est-ce que si j'ai l'épée en bois, est-ce que je prends la foudre? Vraie question. Vraie question que je me pose là. Mais non! C'est dégueulasse ça! Sale bait, sale bait, sale bait, je te déteste. Ah d'accord, merci, merci pour le soin. Au secours. La caméra. Bon. Allez, meurs, meurs et meurs. Pas encore fini, hein.
cas. Et on s'en va. Allez Zelda. On n'est pas passé par la chambre de Zelda d'ailleurs. Ah c'est bon. Ok. Ok. Fuyez! Tu es le chevalier servant de la princesse d'Hyrule. Tu sais ce que tu as à faire, n'est-ce pas? Je te la confie. Pardon. Oh l'enchaînement. La séquence dramatique avec la musique de victoire, tu sais. Pardon, c'est nerveux. Aïe, aïe, aïe. Oh, l'épée de chevalier 51. What the fuck. Non mais attendez, mais c'est quoi ces armes que j'ai là? Au secours. C'est vrai que j'avais pas assez d'armes avec Link, quoi. C'est vrai que j'avais pas assez d'armes, ouais. Les créatures divines. Ganon les a... Oh. Ah non. Oh, je sens que je vais pas être content. Regardez. Alors, rien n'est perdu. Il y a forcément encore quelque chose à tenter. Allons-y. Hein,
Alors attendez, est-ce qu'il a remonté le temps, mais il a pas remonté le temps? J'ai pas compris là. Qu'est-ce que... Hein? Qu'est-ce qu'il a fait le robot? Parce que en fait j'ai vu le moment où il remontait le temps avec l'alarme de Zelda, et finalement ils allaient empêcher tous les événements qui venaient de se passer quoi. Mais pas exactement. Bon, on y est. Ouais, voilà. Il va y avoir 4 champs de bataille. Ah non, j'en ai que 2. Ah bah attendez. Mipha, Daruk, Urbosa et Revali semblent enfermés dans leur créature divine. Ah ouais, bataille de position, ouais. Sauvetage dans les Hyrule. Non mais attendez, ouais. Non mais par contre... Bon, la vidéo va être plus longue, hein. Mais je vais impérativement... Apprendre Link et Zelda, en vrai. Même si... Ouais, je vais reprendre ça, hein. 31 de puissance, hein, mais bon. J'améliorerai mes trucs après, hein. Et let's go, hein. Comment ça, tut? Ça, ce son, là, j'aime pas. J'aime pas ce son. C'est le son qu'il a fait quand il a remonté le temps, hein. Me cancel pas des trucs qui se passent dans le jeu, hein. S'il te plaît, hein. L'ascenseur émotionnel, pas dans le sens. Les créatures divines tombées aux mains du fléau Ganon. Nos héros se précipitèrent auprès des prodiges, persuadés de pouvoir encore les sauver. Et là, on remarque que c'est Zelda qui commence à faire les voix off, parce que bah forcément le roi. À l'est d'Hyrule, le roi Rip. Hein. Les créatures divines Varuta et Varudania se tenaient prêtes pour faire face à la résurrection du fléau Ganon. Mais des monstres s'approchaient déjà dangereusement d'elles. Mais par contre elle dit espérer, hein. Pour sauver Mipha et Daruk, qui attendaient à bord de leur créature divine, Link et ses compagnons se frayèrent un chemin à travers les rangs ennemis. Est-ce qu'on va sauver Mipha? Les gardiens furent à l'origine créés pour protéger le royaume d'Hyrule. Mais le fléau Ganon en a pris le contrôle et les a fait combattre pour lui. Ouais. Les 5 monolithes. Mais du coup, les gardiens, ils sont sortis des monolithes. Ce fameux monolithe de mort, là. Ça passe, hein. Ah, sale vermine. Il faut que je tienne le coup. Tu ne me l'enlèveras pas. Hein? Non mais hein? Sidon? Non mais hein? Secours. Tu as le même pouvoir que moi. Mais t'es qui toi? Hein? Eh ben... Je suis venu pour vous sauver. Hein? Au secours. Bon. On va passer la surprise, on va passer le fait que... D'accord. D'accord, bon on a vu Sidon. Ça fera plaisir à des gens, je pense. Bon, on va avancer dans le jeu. Je vais pas commencer à critiquer le scénario tant qu'on n'a pas fini. Mais je sais pas quoi en penser. Honnêtement, je suis à peu près autant surpris que dubitatif. Mais bon, écoutez. Mais en fait, il a remonté le temps à partir de quel moment, ce robot de mort, là? Parce que pour moi, quand on voyait la cinématique du début, si
cinématique du tout début de jeu. Genre ça se passait au moment de l'attaque de Ganon. Enfin au moment où Link se sacrifie pour sauver Zelda. Donc juste avant le sanctuaire de la Renaissance, tout ça. Mais il peut communiquer avec ce qui se passe 100 ans plus tard, quoi. Bon, hein. Écoutez, on va sauver Mipha et on en parlera après. On va sauver Daruk aussi. En vrai, Daruk il sous-estimait, hein, parce que les Gorons, enfin genre, en vrai dans Breath of the Wild, genre Daruk c'est trop un bro, hein. Genre c'est trop une patte, mais voilà, hein. Sûr qu'après à côté des autres, bon enfin après il y a Revali quoi. Revali il est insupportable, c'est pas pareil. C'est pas vraiment sa faute. Alors Zelda. Qu'est-ce qu'on en fait de Zelda? Qu'est-ce qu'on en fait de Zelda? Non mais Zelda pour l'instant ouais, je sais pas. On attend. Enfin en vrai je devrais jouer Zelda plutôt mais... Écoutez... Voilà. Genre bon... c'est pas que mais Link fait quand même un bon travail. Hein. Puis pour sauver Mipha il faut Link. Voilà, il y a des choses... Il y a une cohérence à respecter. Allez. Ouais, tu veux attaquer un jour? Un jour peut-être? Un jour? C'est tout ça pour ça, les portes. Non, ah bah c'était pas le... Non. Non, c'est pas grave, ça va le faire. Il tank bien, hein. Après j'ai pris la mission niveau 41. Bon. Ah, on a deux levels d'écart. Avec Link. Jamais, hein. J'ai vraiment pourtant, j'appuie sur le bouton d'esquive. Alors après, si j'esquive sous son coup, forcément, ça veut pas, hein. Ça ne veut pas. Faut aller aider Mipha, vite. Ah, c'est Mipha qui m'a soigné, là. Vite, vite, sauver Mipha. Bah, attends, Link va sauver Mipha. Je peux pas. Hein. Ah, mais attendez. Ah, ouais. Ah, ouais, ok. Alors, attends, Link, tu vas là. On va jouer Zelda. Ok, bon, on va devoir faire enlever le marais pour accéder à la créature divine et très certainement affronter l'ombre de Ganon, hein. J'imagine. Du coup, au secours, c'est là, hein. Ouais, non, c'est pas là. Ok. Ok, en fait je pensais que ce serait plus bas. C'est l'inverse. Avec ce thème du coup de Mipha remixé. Mipha Sidon, hein. Je vois pas dire lequel des deux c'est le thème là pour le coup. Enfin, je l'associe plus à Sidon mais... peut-être c'est le Mipha en vrai. Ouais. Bam. Pas sous-estimer Zelda. Hein. Ouais. Heureusement je prends pas des dégâts au contact. De cette merde. D'accord. Alors. J'ai pas assez de flèches avec Link. J'ai pas assez de bombes.
Ouais, non, je viens d'y penser, hein, c'est tout. Ah, oh, j'ai pas maintenu. Comment ça, progression arrêtée? Mais elle est arrivée au bon endroit, là. C'est bon. Ah, c'est... Oui, c'est peut-être pour ça en fait, qu'ils me disent progression arrêtée. Peut-être en mode, elle est arrivée à destination, ça y est. Ça doit être ça, en fait. En vrai, ça doit être ça. Juste que je remarque jamais les messages, sinon. Boum. Hop, alors maintenant tu vas là. D'accord. Ah non. Oui non, c'est pas le mobile l'objectif. Si. C'est pas clair. Si, c'est sûr. Merci. Oh là, il y a pas mal de mobs. En vrai, son A, il fait tellement de dégâts, Zelda. J'ai l'impression. Ok. Ah non, voilà. L'œil de ses morts, là. Ouais. Et hop, on enlève la corruption. Enfin, une partie. Hop. Nickel. Attendez, parce que là... Non, je vais la laisser là. Juste, faut que je lui évite de... Faut qu'elle évite de se rediriger autre part. Donc ouais non c'est bon. Sale bait. Alors que Mifa était mid-life hein. Donc j'aurais peut-être me brouiller un peu. Mais non mais... À moi. Et donne-moi. Non mais c'est... D'accord. Oui, il reste encore une partie. Ah mais du coup c'est du côté Zelda du coup. Bah Link tu vas rester là. Effectivement, c'est Zelda qui va s'en occuper. Bon, des fois il y a des bugs d'affichage hein, sur le cinétisme, mais écoutez. Hein. Non mais ah quoique il y a un fort en fait. Aïe. Ouais non, on abandonne pas hein, Mifa. Hein. Pas fini hein. Bon l'épisode va durer 1h30 hein, minimum, mais je voilà. C'est hors de question pour moi de m'arrêter sans savoir ce qu'il arrivait Enfin. Après ça se trouve là on va avoir une happy ending. Mais ça a quand même mal tourné hein. On pourra peut-être quand même pas tous les sauver hein. Bon voilà, c'est ça aussi que je me dis pour l'instant. C'est pour ça que j'attends de voir comment le jeu va se terminer. D'accord. C'est juste que je peux aller là. On sait pas pourquoi mais je peux y aller. Ok, let's go. Ah ouais. On en est là dans les salles bait. Non mais.
Non mais, non, une fois ça suffisait. Ah là les dégâts sont moins bons hein. Ah les skills qui passent pas. C'est bon. Ah mais combien d'attaques là? Bombe. Ça va pas le tuer. Alors que Mipha perd toujours plus de vie. Sale bait, sale bait. Sale bait. Hein. Mais non, mais. Ok. C'est quoi? Ah bah. Ah bah, chais. Chais dans ta gueule, là. Tiens, prends ça dans la gueule. Ça va pas le tuer hein. Ah si. Nice. Nice. Bravo Zelda. Et non mais boum. Nickel. Donc là on va pouvoir passer avec Link. Ah mais attendez. Ah mais attendez en fait. En fait il s'avère que merci. Merci d'avoir sorti un parachat, ça m'aurait stressé. Au secours. Link. Voilà, Link pendant ce temps. Par contre, non. D'accord. Donc on arrive à rentrer dans le gardien grâce à... dans Naruta. Dans Ruta grâce au gardien. Très bien. Non mais... Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi mais... Au final ça passe. C'est bon. Tout va bien. Finalement. Par contre, c'est quoi ça hein? Ah, c'est juste un tas de mobs. Ouais, c'est juste un tas de mobs. D'accord. Ok, rentre. Mais rentre. Ok. En fait, disons que la présence de Sidon et des autres prodiges, pour l'instant, j'ai du mal à pas trouver ça un peu fanservice sans autre sens pour l'instant. Hein. Mais voilà, je me réserve le droit de changer d'avis. Alors que le combat contre l'ombre d'eau.
combat qu'on n'a pas encore fait, ça, pour le coup. En même temps, est-ce que j'ai fini la créature divine dans mon let's play là, à l'heure actuelle? Alors, à l'heure actuelle, à l'heure où cet épisode est tourné. Parce que peut-être que j'aurais sorti cet épisode entre temps, mais... Parce que moi, ça, je l'ai déjà fait. Hein. La créature de Revali. Mais seulement. Seulement de Revali. Non. Sale bait, hein. C'est pas facile de lire ses attaques, hein. Ah non. J'ai voulu le figer, sauf que je pouvais pas, évidemment, parce que... Aïe. Ok. On va y arriver, hein. Qu'est-ce que tu fais là, Sidon? Genre... Ça me perturbe. Mais bon. Là. Non. Ouais, prends ça dans l'œil, tiens. Et le coup point faible. Voilà, ça suffit pas, hein. Ouais. Bam! Et presque mort. Ah ouais, moi aussi d'ailleurs. J'ai pas fait gaffe et moi aussi je suis presque mort. Bon, j'attends d'être vraiment. De vraiment plus avoir de vie, hein, pour me soigner. Hein. Comme d'hab. Hein. Voilà, maintenant. C'est un précepte. Un principe. C'est un principe. Ok. Du coup, on passe à Daronia après. On va enchaîner direct, je pense. Mipha est sauvé. Ouais. Non, mais par contre, Mipha va te reposer en vrai. Hein. Ouais, voilà. Alors. Non, Sidon, va-t'en. Va-t'en, tu me perturbes. Quel enfer. Mais attendez, du coup on va jouer les 4 autres les 4 nouveaux prodiges aussi. Parce que bon là ça a l'air parti pour, hein. Alors par contre ce qui est très malheureux, c'est que je me rends compte que, ouais, en fait je vois qui c'est le prodige Piaf. Mais c'est vrai que il est quand même beaucoup moins développé que les 3 autres quelque part, hein. Parce qu'autant même Yonobo, bon bah, enfin, il est pas spécialement badass, mais il a quand même une grosse partie qui lui est réservé. Ah, par contre. Attendez, comment il marche lui? Il est niveau 41. Au secours. Zader prend la pause. D'accord. Non mais après. D'accord. Hein. Alors comment tu utilises les bombes toi? Ah, s'il faut un timing, moi je suis mauvais, hein. Je suis mauvais à ça, moi. Hein. C'est pareil, c'est quand la stance de la pose, là? Encore du mal à comprendre, mais ça c'est normal. Normal que j'ai du mal à comprendre. Ok.
Ok. Du coup, on va se servir de Ruta, a priori. Mais une fois le Magrok éliminé. J'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre quand on prend de la pause. Parce que là c'est trop tôt, non? Ah, par contre attendez, est-ce que j'ai d'autres persos en fait hein? En fait j'ai d'autres persos. Oh, mais Link faut faire quelque chose hein. Il faut avancer hein. Au secours. Parce qu'en fait, autant Sidon. Sidon, c'est le personnage le plus guerrier au niveau des nouveaux prodiges. Quoique, non, t'as. Ah, j'ai oublié son nom. En plus, elle est méga classe, je trouve. Celle des Gerudon. Je l'aime bien en plus, elle est sympa. Elle est marrante. Mais du coup j'imagine ouais qu'on va aller jouer les 4 mais je sais pas en fait hein. Non mais c'est vrai qu'il y avait pas assez de perso hein. Voilà, je vais éviter de trop en parler parce que bon pour l'instant comme j'ai dit je sais pas trop hein. Je suis mitigé. Ah oui tiens c'est quoi ton A? C'est un gros requin. Ah ouais mais ouais. Et ouais. Ouais non mais descends en fait hein. Faut faire ça descends. Non mais coup fatal. J'ai jamais lock hein. Jamais lock de ma vie. Ok. Bam. Et voilà, j'ai gagné. Possède Zelda. Ok. Mais en fait ouais après on peut se diriger totalement vers une autre timeline hein, en fait. Genre finalement on aurait la timeline de la défaite dans BOTW et la timeline de la victoire dans ce jeu. Pour l'instant, c'est là, j'ai l'impression que c'est vers là qu'on se dirige, mais... On va voir, hein. Mais en même temps, enfin, bon... J'aurais bien aimé, justement, vivre cette défaite, quoi, mais... Mais bon... Après... Après, voilà, on verra bien. Hein, pour l'instant, c'est juste que c'est difficile. Là, je suis en train de réfléchir à 12 milliards de trucs, mais parce qu'en vrai, il y a une partie, il y a quand même une partie de ce jeu dont le contenu, globalement, ce qui s'y passe, c'est ce qui a dû se passer dans, non, ouais, c'est ce qui a dû se passer du coup avant Breath of the Wild. Mais là, évidemment, maintenant, on n'est plus dans une phase où ça s'est passé, quoi. Ça ne s'est pas passé. Techniquement, Zelda a juste assisté à sa défaite et... Et voilà. Et là, il faudrait que je revoie toutes les cinématiques de Breath of the Wild dans l'ordre pour être plus au fait de la chronologie.
Au secours. Alors je veux bien te laisser faire, hein, mais... Ouais, bah ouais. Ouais. Ok. J'ai encore du mal, hein. J'ai encore du mal à comprendre. Quand est-ce qu'il faut prendre la stance? Ok, là je crois que je l'ai pris. D'accord. Et évidemment, du coup, je l'ai plus. Et là, j'ai eu aucune esquive parfaite. Hein. Sale bait. Sale bait. Ah, j'ai oublié. Secours. Ouais, niveau vie, Mais bordel. Ah, c'est incroyable le karma que je me prends là. Sur le timing de ses attaques. Mais non, mais. Quel enfer. Alors attendez. Tac. Non, mais en fait, moi je veux juste que. Voilà, tu ailles de ce côté. Ah mais en fait... Ou est-ce que je peux... Ah ouais, en fait c'est juste que... En gros là je peux pas le diriger là. Mais là oui. Ok. D'accord, moi je pensais juste que tu pouvais pas les diriger, c'était un autre étage quoi. Mais non. C'est juste qu'il faut faire différemment. Ok. Non mais... Retourne là-dessus. J'ai plus de quoi me soigner, hein. Donc en vrai, c'est la merde. Ouais, vas-y, hein. Vas-y, on va utiliser des baguettes, hein. Ceci dit, j'ai l'impression que quand je fais la stance pendant son truc de point faible, ça le démonte. Allez. Presque moi. Sale bait. Tu meurs là. Non, c'est Zelda, je l'ai jamais dirigé. Si. Ouais, si, ouais, c'est bon. Ok. Aïe. Après, il y a un truc, hein, c'est que pour l'instant, Astor, notamment, on n'a pas trop vu son plan. C'est pas trop là ce qu'il compte faire les Yiga et Astor en fait. Parce que finalement, là, Ganon il a fait son truc et. Il a eu besoin de personne quoi. Donc. Je crois. Donc bon. Je sais pas encore ce que le scénario nous réserve. Hein. En fait, je sais pas si on est proche ou pas de la fin. En tout cas, on est au moment. Au moment tout entendu, quoi. Ça, c'est sûr. Aïe, aïe, aïe.
Ok. Ah non mais non, non, j'étais au bon endroit là. Ça y est, je me perds dans mes pensées, c'est terrible. Désolé hein. Mais voilà. Mais là je suis dans le truc de faut savoir ce qui se passe. En même temps, je ne saurais pas ce qui se passe avant encore au moins la prochaine vidéo. Voir la prochaine encore. Donc pas tout de suite. Parce que je fais une pause après. Pour le coup. Hop. Bon. Est-ce que vraiment du coup on fait le combat avec... Non, on va faire le combat avec Zelda. Hein. À limite Zelda. Un peu plus confiance dans ma maîtrise de Zelda que dans ma maîtrise de... Sinon. Peut-être que ça se trouve on jouera Link. Hein. Oui, vous avez raison. Ça sert à rien que je vienne vous sauver, si au final, c'est vous qui me protégez. Ouais, bien parlé, gamin. Et maintenant, on va lui faire sa fête. Ah non, c'est bon. On joue bien Zelda. Aïe. Ça va être chaud hein. Petite photo en gros plan. Non. En fait, j'appuie pas sur les bons boutons depuis tout à l'heure. Non. Oh, sale Bates. Il fait mal en vrai. Hein. Pas mal. Hein. Sachant que... Non, si, j'ai encore du soin. C'est dégueulasse, ça. Ça, c'est dégueulasse, ça. D'ailleurs, Yonobo, j'ai un doute, mais... C'est pas censé... C'est la voix de Donald Rignon. Pour le coup, là, je la reconnais pas, hein, j'avoue. Mais... Autant le Zora du début, je suis quasiment sûr que c'était lui. Autant Yonobo, il me semble que c'est lui, mais j'ai un doute. Bah ouais, mais trop tard. Si je fais ça 2 heures après... Non mais... Ah, j'ai plus de baguette de glace. Ok. Faut que j'arrête, hein. J'arrête de prendre si cher. Je vois, hein. Je vois qu'il prépare son attaque. Je me dis pas, il faut que j'esquive, non. Ah. Bam. Allez, prends un coup faible, point faible là. Pas suffisant. Mais non, mais... Là par contre je suis dans la merde. Hein. Là par contre il va falloir que je joue mieux. Que j'ai vraiment plus de vie. J'ai vraiment plus de comme soigner.
Est-ce que vous êtes prêts pour le game over? Il va me toucher à distance, ça va être honteux. Bah ouais. Ouais ouais, c'est chaud ouais. Ah, j'ai de la vie. Il m'en restait un peu. Là il m'en reste plus. Mais c'est pas pour prendre un coup. Mais non mais. Ce serait bien de pas retomber à un ennemi. J'ai vraiment du mal à lire ses attaques. Et c'est les défaites. Ah ouais, d'accord. Et là, je recommence. Ok. Bon. Ah, voilà. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Fallait que ça arrive. Hein. Alors, attendez. De deux choses, une. Déjà, ferme la bouffe. Ensuite, Link revient ici. Parce qu'en vrai, c'est Link qui va faire ça. Hein. En vrai, on va faire ça avec Link et on va pas se prendre la tête. Hein. J'ai essayé avec Zelda. Hein. Ah, du coup, je reviens là. Ouais, d'accord. Au moment où j'ai fait mon checkpoint, en fait. Au secours. Non, mais... Boom. Alors faudrait que je finisse le combo un jour hein, de cette attaque mais... Ok. Bam. Petit nettoyage. Ok. Ah, j'ai plus vite que Zelda là, hein. Comme ça. Ok. Donc, a priori, la méthode de course la plus efficace c'est ça. Après, il y a peut-être le paravoile. Hein. Imaginez, vous avez mis un Korogu ici. Allez, on rentre. Est-ce que la cinématique est la même? Normalement, oui, hein, j'imagine. On va la laisser quand même pour le plaisir. Que je viens de vous sauver, si au final, c'est vous qui me protégez. Ouais, bien parlé, gamin. Et maintenant, on va lui faire sa fête. Oui, voilà, hein. Même cinématique. Il n'y avait pas de raison. Bon. On va éviter de faire comme avec Zelda. On va essayer d'esquiver. Non mais... Et on va faire ça aussi, tiens. C'est cadeau. Ça c'est cadeau. Ça fait pas suffisamment de dégâts à mon goût, mais c'est cadeau. J'avais réussi à en faire ne serait-ce qu'un avec Zelda. Aïe. Oh non. Ah non. Non, non, et non. Voilà.
Oh là là. Ces dégâts. Cette puissance de feu. Enfin, pas tant la puissance de feu, mais juste l'impact que les coups ont, j'aime beaucoup. Bah ouais. Ça, visiblement, son coup de cheveux, c'est 100%. 100%. Bam. Après, effectivement, hein, c'est contre les gardiens que les prodiges ont perdu, donc... Enfin, bon, là, vraiment, bah, on les sauve au moment où, justement, bah, ils sont morts. Hein. Ouais, bah ouais, non, mais ça, c'est trop tard. Mais non, mais tu veux pas esquiver une fois dans ta vie? Non. Alors cette attaque là, non. Visiblement, je refuse. Hein. Au secours! Mais. Mais. What the fuck? Bah là. Oh là, le jeu il a du mal par contre. Hein. S'il te plaît. Ça va pas le finir, mais. Ah si. Ah bah si. Buff de dégâts. Bah voilà. Ah, j'ai eu peur encore. J'ai cru que c'était encore lose. Ok. Bon. Et voilà. Ça c'est fait. Yunobo, hein. Yunobo qui a pris de l'XP. Hein. Je l'ai vu, hein. Ah bah, évidemment, évidemment. Le balai brosse, non mais. Non mais l'albarde. Je dirais l'albarde. Ok. J'ai vu un Yunobo là, l'XP. Hein. Bon, voilà une bonne chose de faite. Merci bien, Link. On fait une sacrée équipe, hein, petit gars. Toi, c'est Yunobo, c'est ça? Eh ben, je te remercie aussi. Si j'avais été tout seul, j'aurais été dans un sale pétrin. Tout de même, comment est-ce possible? C'est vraiment toi, petit frère? Ouais. Ouais, c'est vraiment moi. Enfin... Vous n'allez peut-être pas nous croire... si on vous dit qu'en fait, on vient du futur. Au secours. Ouais, faudra qu'on en reparle. Mais, pour l'instant, on a des problèmes plus importants. Princesse... faut nous raconter... qu'est-ce qui s'est passé au château? Eh bien... eh bien, le roi est mort, en fait. Grâce à l'aide de Sidon et Yunobo, apparus soudainement dans les créatures divines, Mipha et Daruk purent être secourus sans encombre. Mais les réjouissances furent brèves. Apprenant que le château d'Hyrule était tombé aux mains de l'ennemi, Mipha et Sidon partirent aussitôt prêter main forte aux soldats qui résistaient toujours à la forteresse d'Akala. Pendant ce temps, Daruk et Yunobo remontèrent à bord de Varudania pour affronter la horde de gardiens qui avançait vers nos héros depuis le château d'Hyrule. Thank you.
de m'appeler Grand Haru, Kyonobo. C'est plus fort que moi. Bon, en route. Allons protéger Hyrule. Ah ouais, direct, hein. Ah ouais, direct, hein. Y'a pas le temps, hein. Y'a pas le temps, hein. Eh bah c'est parti, hein. Bam, 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 bam. Tout cassé. Ouais, ouais. Ah ouais, d'où l'intérêt d'améliorer les créatures divines, du coup. Qu'est-ce que c'est que cette nuée là? Hop. On détruit les gardiens. Ah, j'avais pas vu mon nombre de cœurs aussi. Plus de cœurs qu'avant. Pour le con. Oh, saloperie. Saloperie de gardien volant. Vous, je vous déteste. Encore plus. Encore plus que tous les autres. Ouais. Non mais... Ah non, non, vraiment je peux pas détruire les lunettes qui sont en train de me massacrer à côté. Connerie. Tape les linelles, tape les linelles. Attendez, comment ça la ligne de défense ou une attaque? Ah, je suis censé protéger des choses. Ah. Attends, monte. Hein. Parce qu'on a laissé passer un gardien, il est parti. Tout cassé. D'accord. Faut savoir que je parais hein, depuis tout à l'heure, mais. Ah ouais. Non mais voilà, hein, Sidon il a dit, il a résumé la situation assez justement. Hein. Pour faire simple, on vient du futur. Ouais ouais, voilà. Bon. Pour les explications, on verra plus tard. Hein. Peut-être. Comment ça détruisez le pont? Quel pont? Ce pont? Tous les ponts. Quel pont? Ouais. Je suis pas convaincu de ce que je viens de faire là. Non mais attendez, ouais non mais là je vais me faire Je crois que je suis en train de faire de la merde. Ouais le pont là-bas ouais. Mais Ouais mais voilà. Au secours. Allez-vous-en vous. Ouais. D'accord, c'est bon, le pont a été détruit. Ok. Évidemment, du coup, ils en arrivent de l'autre côté. Tiens, mais les rochers qu'on m'envoie dans la gueule, quoi. Ah, j'ai mon A. J'ai mon A si jamais. Ah bah voilà le pont. Je voulais le détruire avant lui. Ah non, pas vous. Et bam. Ouais, salut. Hein.
Sale bait. Sale bait. Toujours plus, hein. Ah oui, d'ailleurs, la canne. Ok. On a le bastion ennemi, là, qui a l'air là-bas. On va aller s'en charger. Paf. Non mais, oust. Je vous déteste, je vous déteste. Je crois que la zone a été nettoyée. Hein. Boum. Non mais voilà. Ça c'est fait. Du coup là on a fini la mission ou pas? Ou est-ce qu'on va jouer direct avec Mipha et Sidon? Vraie question. Est-ce que la vidéo va faire 2 heures ou pas? Parce que j'avais dit 1h30 là, mais... C'est déjà raté, hein. Le prince des Zora est le frère cadet du prodige Mipha venu de l'avenir. Pardon. Toujours enjoué et positif, il prend ses responsabilités princières très au sérieux. Il se bat pour sauver sa sœur et protéger le royaume d'Hyrule. Ce descendant du prodige Daruk est venu de l'avenir. Autrefois peureux et introverti, il a trouvé le courage de combattre sans peur pour son village et ses amis. Bon, sans peur... Il y a encore des progrès à faire, mais ouais, dans l'idée. Hein. Ok. Mipha et Daruk sont de retour. Attendez, pourquoi ça veut dire que là, si je fais une... Attendez, hein. Admettons, je fais un combat. Genre au pif, voilà, je veux faire ce combat. Ah, mais c'est bon, j'ai le droit... Ah non, j'ai pas le droit à... Ah, j'ai pas le droit à révalir Bossa. Ah. D'accord. Donc techniquement, il faudrait que je fasse ça. Ouais, mais non, mais on va s'arrêter. On a... L'épisode, il est assez long comme ça. Du coup, je sais pas si je ferais vraiment des combats. Hein. Ah, attendez. Attendez. Hein. Juste on achète Kilton. Est-ce qu'on peut? Vraiment pas mal. Voilà. On a obtenu un masque de Boko Blanc. Ah. Ouais, d'accord. Très bien. Bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine pour la suite. Alors bon, on a des nouveaux trucs, on a des combos, j'imagine qu'on a débloqué pour Yunobo, et pour... Ah, attendez, c'est quoi ça? Ah oui, d'accord. C'est le casque, tout simplement. Voilà, des combos pour Yunobo, des combos pour Sidon. Non, ça c'est pour la grande fée. Il est où le combo? Voilà. Prendre le combo pour Sidon. Je suis devenu plus fort. Ouais. Ouais, pour l'instant, je suis pas convaincu du perso, hein, mais... Non, c'est le temps de le prendre en main, en vrai. Hein. Puis il y a aussi le choc. Le choc de voir le perso. De dire, mais qu'est-ce que tu fous là? PTDR, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es là? Mais écoutez, ça, voilà. Ça... Je vais prendre le temps aussi d'y réfléchir. On verra ce que le scénario va raconter aussi. Voilà, hein. Bon, je sais pas, c'est peut-être... Peut-être possible que j'achète des trucs au final en off, genre les combos et tout. Je ne sais pas. Moi, je vous dis à la prochaine pour sauver Revali et Urbosa. Portez-vous bien. Bye bye.